Alors écoutez les amis, on s'est fait raid. J'ai bien rigolé, on m'a envoyé un petit message sur Discord, on m'a dit gros tu t'es fait raid et tout. Toi par contre je sais pas qui t'es, je sais pas du tout qui t'es. Ça va, bah c'est Walt, ok. Donc apparemment on s'est fait raid. Donc j'ai vu qu'on s'est fait raid, hein. On s'est fait raid sur le côté de la base. Écoutez, moi personnellement, je m'en fous un peu parce qu'en plus ils ont rien, ils ont juste pris 2-3 trucs dans les coffres. Mais bon, regardez, ils ont pris des trucs dans les coffres. En fait, ils ont tout pris, hein. Mais vraiment rien d'important. Écoutez, ils sont rentrés en cassant les portes, comme vous pouvez le voir. Et écoutez, les amis, je suis pas le seul à, on n'est pas les seuls à s'être fait raid. Sachant que on est ceux qui sont à côté de moi sont fait raid aussi. Mais écoutez les amis, ce que j'avais dit, je l'avais promis, le premier qui allait me raid, il allait prendre extrêmement cher. Donc je sais qui c'est, hein, je sais qui est parti pour me raid. Donc écoutez, là ce qu'on va faire, c'est que en plus je viens juste de rentrer du travail et la chose que j'ai envie le plus de faire, c'est d'aller raid quelqu'un. Écoutez, de toute façon c'est le jeu, hein, clairement c'est pas grave. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je me prépare. Et écoutez là les amis, mais ça va prendre cher, hein, ça va prendre très très cher. Bon les amis, on se retrouve. Regardez, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Monsieur Cookie et d'une autre personne, j'ai plus son nom, désolé. Et écoutez, vous voyez bien que derrière moi, on a un petit char et tout. On va en profiter pour aller du coup l'utiliser peut-être ou y aller avec quelque chose, une arme très sympa. Sachant que derrière moi, donc Monsieur Cookie a déjà fait pas mal de Horbicon où il est allé plusieurs fois à la Silo 22 et autres. Il a déjà chopé des L-Suri, donc il en a deux, voilà, c'est super bien, nickel. Donc on va pouvoir les utiliser, il est très sympa de nous les passer. Et du coup, les amis, mais ça va être un carnage, j'ai encore des trucs sur moi, mais j'ai pas énormément de choses quand même. On va voir ce qu'on a, et on va aller rush tout ça, on va aller défoncer leur base. Coucou les amis, regardez ça, le L-Suri qui est juste énorme. Écoutez les amis, on va s'amuser en plus. Écoutez, il m'a passé sa magnifique petite voiture, regardez, qui est très sympathique, on aime beaucoup. Écoutez, on va l'utiliser pour aller à la première base et après, dès qu'on trouve les autres, on va récupérer le tank qui nous aidera, bien sûr. Et ça sera juste énorme, les amis. En attendant, regardez ça, regardez ce minigun qui est juste énorme. Il est juste fabuleux, en tout cas, ils ont eu de la chance de le dropper. Mais nous, ne vous inquiétez pas, on va vraiment s'amuser. Oh, c'est bugué. On va vraiment s'amuser à aller les raids. Vengeance! Bon, les amis, on est parti pour la première base, écoutez. Et elle est déjà ici, regardez. Elle est juste à côté de la nôtre et c'est ces personnes qui sont juste là. Écoutez, ces personnes-là, on était allé leur faire un petit coucou à l'époque. Et écoutez, maintenant, il y a marqué, regardez, sur leur pancarte en plus, regardez ça. Regardez, c'est n'importe quoi. Quand de la pick team ne pas piller, nous voulons la paix sur le serveur. Alors que ce sont les premières personnes qui nous ont rush. Donc écoute, vas-y, c'est parti. C'est parti les amis. Écoutez. On nous a pris pour des débiles à un moment. Même si c'était ouvert, on s'en fout. Hein. On a de quoi... utiliser nos armes. Écoutez, peut-être qu'ils sont partis d'ici, à mon avis c'est ça, donc ils ont dû prendre une nouvelle base. C'est pas très très grave. On va aller faire un tour, on regarde, il est en train de tout casser. Bon les amis, écoutez, je suis accompagné de Monsieur Cookie. On est en direction d'une nouvelle base qu'on vient de trouver actuellement, qui est juste derrière la ferme. Juste regardez ce plan incroyable. Ah! Mais par contre, il faut savoir conduire, parce que le problème, c'est que quand on est en vue troisième personne et qu'on est de loin, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller raid la base qui est juste là. Écoutez, vous allez voir, on va pas mal se venger. Regardez la petite base qui est là, elle est mignonne. Bon, regardez cette base, les amis. On pense que c'est la fameuse base. Ce qui est bizarre, c'est que déjà, on peut rentrer à l'intérieur. Peut-être ils ont caché quelque chose. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a rien. Peut-être ce serait une fake base. Ça serait peut-être... Il y a des chances que ça soit une fake base. Regardez ça. Regardez ça.
Surtout, ce qui m'étonne, c'est que regardez, c'est que là, il n'y a rien du tout. Enfin, ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne grave. Peut-être. Ok, non, non, rien du tout. Juste le mec, ok, c'est extrêmement bizarre. Bon, écoutez, on continue à la recherche. Hein, écoutez, on continue la recherche. En plus, il y a la full moon, donc écoutez, on continue, on continue. Bon, les amis, j'ai trouvé une base. Vous vous souvenez, la dernière fois, on était allé voir ces personnes-là et ils se sont fait exploser, à mon avis, par les mêmes personnes. Et là, regardez, il y a quelque chose d'ouvert. Et ça m'étonne. Ça pourrait peut-être être leur base. Le seul truc qui m'étonne, c'est que si c'est leur base, c'est extrêmement petit. Il y a quelqu'un ? On sait jamais, hein, peut-être. On défonce tout ça. Alors, y a-t-il quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Dodo sa mère, ok. Alors déjà, on va rentrer dans cette magnifique petite base. Est-ce qu'il y aurait des choses à nous ? Je ne sais pas, pour l'instant pas grand-chose. Pas grand-chose, juste de... Il n'y a vraiment rien du tout même. Enfin, on sait jamais, je préfère regarder quand même dans toutes les bases que... Ah ok. J'ai essayé de mettre la night vision, ça sert à rien. Hein. Ça, clairement, ça sert à rien. Non, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Mais je vais quand même casser le claim, voilà. On sait jamais ça, pour, c'est toujours important de casser les claims. Malheureusement, on ne trouve pas grand-chose. Hein. Là, je suis tout seul, il y a Monsieur Cookie qui est parti récupérer quelque chose. Malheureusement, je ne sais pas où sont les bases, donc j'y vais à la main, hein, écoutez. Hein. On y va. Bon, en tout cas, pour l'instant, ils ont bien de la chance que je n'ai pas trouvé leur base, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver, on va la retrouver, de toute façon, je ne termine pas la vidéo tant que je n'ai pas trouvé leur base, donc ça, ne vous inquiétez pas, dans la vidéo, il y aura leur base, ça, c'est sûr et certain. Je vais chercher en fond et en con, on peut dire ça, sur la map, parce que, croyez-moi, il y a quelque chose que j'ai horreur, c'est qu'on me pille sur ce jeu. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière tout ça, donc écoutez, après c'est le jeu, hein, je dis pas ça le contraire, j'ai pas le contraire, mais le truc, c'est que, du coup, j'adore rendre la monnaie de leurs pièces aux gens qui nous attaquent. Donc écoutez, tant qu'à faire, j'ai été sympa au début, maintenant, écoutez, on part vraiment à l'attaque, quoi. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard et un autre jour, on se retrouve avec des bois. Actuellement, on a quelqu'un sur le serveur qui fait partie de la Peak Team, ceux qui nous ont aidé. Et écoutez, on va faire un petit tour de vers chez eux, on va dire ça. On va aller les défoncer. Ah bah ça, écoute, hein, moi j'ai toujours ma petite Fury. Moi je suis bien, clairement moi je suis bien, on va s'amuser. Déjà mort. Vas-y, on t'attend. Vas-y. Pas encore, mais il est déjà mort. Ah mais mec. Je vous l'avais dit, à la fin de cet épisode, on va arrêter quelqu'un, je m'en fous. Ils ont voulu faire les beaux avec nous, là, je suis pas d'accord. Donc écoutez, là c'est leur ancienne base, mais après je sais pas où ils sont. Maintenant on va chercher, et on vous retrouve dès que, si lui vient nous chercher ou pas, on verra bien. Donc du coup, à tout à l'heure les amis. Bon, du coup on a trouvé ce fameux Sébastien, je vais dire n'importe quoi, j'avais complètement écorché son pseudo. Bah écoute, vas-y, on te suit, tant qu'à faire, on te suit. C'est loin d'ici ou pas ? Est-ce que c'est loin ? Parce que là, en fait, il nous disait où il était, en fait, dans le chat. Donc écoutez, on va être gentil avec lui, apparemment il est très sympathique, donc pourquoi on lui ferait du mal, hein, écoutez, même s'il fait partie des méchants, on peut dire ça. Donc écoutez, on attend, on va voir où il va bouger, écoutez, là il décide de... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait, regardez cet homme nu, c'est incroyable. Bon, du coup, en plus, ce qui est très sympathique, c'est que ce jeune homme là, qui est présent, lui. Et ben en fait, le truc, c'est que ça fait une semaine qu'il a pas joué. Mais nous, ça fait à peine une semaine qu'on s'est fait raid. Et donc, du coup, il sait pas du tout où est la nouvelle base. Donc là, à ce niveau-là, on est un peu perdu. Donc écoutez, on va voir. On essaye de voir avec lui comment ça se passe et tout. Et si on n'a pas d'infos, je sais pas comment va se terminer cet épisode. Parce que nous, on a envie de raid avec des bois, là. On a envie d'être vengé.
Oui. Voilà. Donc, du coup, on va voir. En plus, il y a Cookie qui vient d'arriver sur le serveur. Donc, du coup, on va voir tout ça. Oh, j'arrive à toucher ce zombie. Le headshot du zombie ou pas? Voilà. Super. Super, super. Bon, du coup, les amis, on est parti. Le gars, c'est déco. Donc, du coup, écoutez. Bon, c'est pas très grave, on cherchera nous, et de toute façon, à mon avis, vous voulez pas trop nous aider. Donc à ce niveau-là, c'est pas très grave. Du coup, on est parti à notre magnifique petite, vous savez, la base militaire. Là, j'essaie de rentrer. Mais non, stop ! Voilà, hein. on est parti à la base militaire, du coup, parce que on va essayer de voir si on peut se refaire un peu de stuff. Mais bon, à ce niveau-là, on n'a pas... Oh, mec, il y a un avion. Ah mais rien, putain, l'avion. Mais Rocher, bande de folles. Moi, je suis un fou. Moi là, j'enchaîne les headshots, là. Headshot, allez, on y va. On veut l'avion. Fais gaffe. Ok, Michel. On rush l'avion. On rush l'avion, vite. Bon, par contre, je te connais. Toi qui es très très bon en pilotage d'avion, pas du tout. On va y... Oh là! De quoi? On va... Ah ouais, mais moi non plus je conduis pas! Y'a pas d'essence, y'a pas... Ah ouais, mais on le lock! Au moins on le lock! Oh mec! B! What a now! Mec, la beauté, la beauté! Attends, je ne peux même pas le lock! Ah! Oh, comme il fait beau ici, regardez. On dirait pas comme ça, avec le noir et blanc, on dirait pas une pub pour parfum, c'est n'importe quoi. C'est abusé. Bon, moi, en attendant, j'essaye de trouver la touche pour loquer. Voilà. Et ben mon dieu, il était temps. Mais mec, trop stylé. Première fois qu'on trouve un avion. Extrêmement stylé tout ça. Ah, moi, j'en avais... J'ai trouvé un, mais je l'ai crash. C'est bon, il est à 100. Ah, t'avais un jerrycan. Oui. Attends, parce que mec, je sais pas voler avec ça, moi. Mec, mort. J'en peux pas. Mec. Oh, c'est la mort. Je vais pas mourir. Mec. je vais crever, c'est obligé. Mec, obligé, je crève. Non, meurs pas, c'est facile de se poser. Attends. On va y aller tranquillou. On y va. Sinon, mec, ça... Attends. Je vais essayer de me poser sur la route. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh my god. Il y a un poteau, je vais me le prendre. Allez, vas-y. Oh, je me suis posé. Oh le mec. Oh là là, aviateur de génie. Regardez ça, la beauté du geste. Oh là là. Le talent ou pas le talent? Mec, en tout cas, je suis content, j'ai décollé avec un avion. C'est pas mal, tu vois, genre c'est un bon niveau déjà. Bon, du coup, t'es où toi? T'es toujours à la base? Oh mec, vas-y, j'arrive, on le retrouve après. Bon, écoutez, on profite, on finit de visiter cette magnifique base. Pendant que j'ai toujours le L-Suri sur moi, c'est incroyable. Il n'y a pas des choses de ouf. Il n'y a pas du stuff incroyable. C'est dommage, hein, quand on a l'habitude de silo, ça fait bizarre, hein, de pas avoir autant de stuff. Autant de bon stuff, on va dire. Donc du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va essayer pour l'épisode prochain de s'avancer. Enfin, pas de s'avancer, mais de faire nos petites recherches de nos côtés pour trouver cette fameuse base. Donc écoutez les amis, à mon avis on va se laisser là. Donc on se fait plein de bisous, hein, voilà, avec des bois qui nous a lancé une fumigène rouge là, incroyable. Donc du coup voilà, écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous promets que le prochain il y aura de l'action, un peu plus d'action, ça me fait plaisir de vous le dire. Ça me fait plaisir. Et moi aussi, nous aussi plutôt, on a envie d'un peu d'action là, même si on avait le L-Suri. Mais bon, en tout cas, c'est déjà ça. Bon, voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour plein de prochains épisodes avec Desbois. C'était Desbois et Guylian. Allez, bye tout le monde.